Ismaël Haniyeh, le premier ministre du Hamas à Gaza, a entamé dimanche une vaste tournée dans le monde arabe. C'est ce qu'a indiqué l'un de ses proches conseillers, précisant que le chef du Hamas se rendrait dans les pays qui ont marqué le printemps arabe. Mais outre la Tunisie, l'Égypte ou encore Bahreïn, Ismaël Haniyeh est également attendu en Turquie et au Soudan. Cette tournée, la première depuis le coup de force du Hamas en 2007, sera essentiellement axée sur le volet économique. La reconstruction de Gaza, la poursuite des investissements étrangers ou encore la lutte contre le chômage seront les grands dossiers abordés par Ismaël Haniyeh. Sa visite intervient sur fond de tractation avec son rival du Fatah. Un accord final de réconciliation interpalestinien pourrait être officialisé dans les tout prochains jours.